Ah, YouTube! Salut, c'est la VOD! Toujours sur. Eh, fais gaffe ce que tu fais, le moustique, hein! Ouais, j'ai un moustique. On a mis à peu près 30 secondes avant de trouver le titre. Premier moustique. Sibyl aura une maîtrise de la théorie magique que je n'aurais jamais. C'est cool, mais est-ce que ça m'intéresse? Donc, oui, il y a un moustique, je suis pas bien. Et on est sur Skyrim, épisode 38. On a décidé de varier un peu les quêtes. Parce que ça commence à bien faire la guilde des voleurs. Ça va un temps. Tu vois. Ah, maintenant, les gars, j'ai deux bottes quoi. Electrical skateboard et electrical longboard quoi. Mais les gars, putain, ça arrête deux bottes, mais. Pareil, t'es toujours là, tu peux me bannir cette merde, s'il te plaît. Hey Butch, salut! Si un modo pouvait bannir les deux electrical là, skateboard et longboard, ça serait bien. La plupart des arts des. Oh, bonjour, bonjour. Je fais juste un peu de ménage. Oh, ça va m'attirer des ennuis. C'est interdit. En plus, ça fait peur là-dedans. Eh bien, j'imagine que dans ce cas, vous pouvez entrer. Mais rien qu'un instant. Faites attention, et revenez immédiatement. Ne touchez à ah, rien, vous serez là. Ça va, Butch? Comment ça farte? T'as vu, il fait beau, hein, c'est cool. Hein. Il y a les deux. En fait, j'ai deux bots dans la liste des spectateurs. J'ai Electrical. J'ai Electrical, ça se prononce Electrical, mais bon. Electrical Skateboard et Electrical Longboard. C'est deux putains de bots. A chaque fois j'en ai ban un, maintenant ils sont deux. Donc n'hésitez pas, toi Varek, bannissez-moi cette merde. Expulsez-les aussi. Fais ton boulot de bodo un peu, Butch. Là t'es au chômage, là. C'est pas un seul fouteur de merde sur mon live. Là il y a plein de poils d'araignée, c'est un truc de ouf. C'est dingue, hein. Trop classe ici. What? What? Ça c'est quoi là? What the fuck? Quoi? Trop manger. Et j'ai tant de choses à faire. Ah, moi je les vois. Il y a tant d'indésirables à éliminer. Opposants, fous, détracteurs. Tenez, c'est simple, mon bourreau ne dort plus depuis 3 jours. Vous êtes bien trop dur envers vous, mon cher. What the fuck? Que feraient les gens? Il soupirait des merveilles, quoi. Ben, il danserait, chanterait, sourirait, deviendrait vieux. Vous êtes le meilleur septime à avoir jamais régné. Bon, sauf ce Martin. C'est devenu. La liste des spectateurs, je sais pas comment ça se passe pour les fans. Vous savez, j'étais là pendant toute cette sortie d'histoire. Je sais pas comment on fait ça, je crois qu'on voyait ça tous les deux, tiens. Un modo qui s'est pas ban, c'est quand même dommage. Et le fromage, à ceux d'années. Oui, oui, comme vous dites. Grande foi. Très bien, prenez comme ça. Peut-être que je ferais bien de partir. Bonne journée à vous. Non, j'ai dit bonne journée. Ouais, je suis encore là, je suis con. Oui, partez. Laissez-moi mon fardeau à mes incessants responsabilités. Eh, salut Drizox. What, what the fuck. Putain, c'est Shogorat, je l'ai pas reconnu, je suis un boulet. Ça va Drizox, comment tu vas bien? Ça va Drizox, comment tu vas bien? Le mec, il agresse les gens pour savoir comment ils vont. Hein, ça va? Ça va? Dis-moi, ça va bien ou pas? Quel manque de tact. On ne peut pas accueillir un vieil ami pendant 10 ou 20 ans. Dans l'esprit de Pélagius, imbécile. Oh, c'est votre premier. Pas vraiment, je vois Oblivion. Vous autres mortels et votre curiosité suicidaire. Si vous voulez savoir, c'était Pélagius. Vous savez, le démon, l'empereur Gabriel. Oh, il y a 400 ans, non, gentille personne. Même vous avez certainement entendu comment savoir des sacrés habitués, ça fait plaisir. Non, sur son lit de mort. Oh, quelle inspiration. La mort. Beaucoup de courage, du coup. La mort. Proscrite.
Et ouais, non, je suis content parce qu'avant, quand je faisais Trackmania, bah, il y avait beaucoup de gens, mais c'était que Trackmania. Je savais bien que quand j'allais arrêter Trackmania. Quand j'allais arrêter Trackmania, il y aurait plus grand monde, ce qui s'est passé. Et finalement, là, il y a des gens, alors qu'il n'y a pas spécialement de... Il n'y a pas spécialement de jeu régulier. Bref, alors attends, il y a des échos. Comment ça, il y a des échos? Ouais, Electrica, c'est lui que je veux ban, Butch, s'il te plaît. Je veux expulser aussi. Alors, il y a de l'écho. Non, je sais pas. Il y a de l'écho. Tout le monde me dit qu'il y a de l'écho. J'ai plusieurs choses qui me disent qu'il y a de l'écho. Alors, je pense savoir d'où ça vient. Et si c'est ça, ça veut dire que OBS me troll. Je vérifie. Logiquement, je suis obligé d'avoir le son du bureau pour avoir le son du jeu sur la 360. Et je suis sûr que j'ai deux sorties son et du coup maintenant ça fait de l'écho. Je rigole si c'est ça. Quel manque de tact! On ne peut pas accueillir un vieil ami pendant 10 ou 20 ans! Ouais, c'est ça. Putain, c'est ça! Mais maintenant on a du son! Il y aura un décalage? Attends. Ah oui, tu m'étonnes qu'il y a un décalage. Il y a plus de décalage! Voilà, merci en tout cas. En fait, hey, c'est quand même un truc de dingue. Putain, salut Valou! C'est quand même un truc de dingue. Hein. En gros, j'utilise, enfin, je capture les consoles avec un boîtier d'acquisition. Il y a du coup sa propre entrée son. Il apparaît comme une source de son dans la liste des sons. Donc, quand je joue à la PS4 et Xbox One, le son arrive par le boîtier et est transmis sur mon PC. Donc je coupe le son du bureau car vous n'avez pas besoin d'entendre le son du bureau. Vous entendez que le son de la console. Mais sur la 360, ça ne fonctionne pas. Je suis obligé de mettre le son du bureau pour que vous entendiez le son de la console. Et là, comme par hasard, il y a de l'écho parce que le son du boîtier fonctionne. Bref, vous avez sûrement rien compris parce que je me suis mal expliqué. Mais là, par contre, c'est que ça fonctionne. On ne peut pas accueillir un vieil ami pendant 10 ou 20 ans. Ça va, ouais, Valou, ça va bien, moi ça va. C'est le bordel, j'ai mon stream sur mon téléphone. C'est bon, tout le monde est écouté, bon voilà. Oui, c'est bon. Vraiment? Du coup, merci pour l'info. Quel genre de message? Une chanson, une invocation? Attendez, je sais. Je passe un peu les sons par une du jeu, par contre. Menace de mort marquée sur le dos d'une concubine. Les gars, je sais jamais. Je sais jamais. Ce sont celles que je préfère. Quand le son fonctionne et eh pourquoi? Bien, je vous écoute. Je n'ai pas l'éternité devant moi. Insupportable. En fait, si. Bref, mais ça va. Mais sérieusement, quelle est la teneur du message? Vraiment? Qui vous a demandé ça? Attendez. Chogwarak. Ne dites rien. Débarre, Chogwarak. Je veux deviner. C'est Molag? Non, Molag Val. Le petit Tim, le fils du fabricant de jouets. Le fantôme du roi Lysandus? Oui. Le mec est totalement fracasse, hein. Chogwarak, c'est le dieu des fous. Muraille. Je me suis trompé sur toute la ligne. Ok, Valou. N'est-ce pas? Salut, Waze. Putain, c'est impressionnant. Voilà en pourquoi je dis que ça vient de Redox. Je veux pas savoir. Parce que. Pourquoi gâcher l'effet de surprise? Il y a plein de gens qui mais viennent maintenant tous les jours. Fait. C'est cool. Vous croyez, vous, pauvre petite créature mortelle, que vous me convaincrez de partir? C'est ça ce qui est vachement parce que grave. C'est de la folie. Vous vous rendez compte à qui vous avez affaire? On est 8, what the fuck? Bonsoir les gens. Bien deviné. Vous n'avez qu'en partie raison. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Je suis un dieu fou. Le dieu fou, en fait. C'est un titre de famille que je me trouve. Oh, désolé, il y a beaucoup de dialogues. Hein. 1000 ou 2000 ans. Bah, merci, Desox. Mais c'est aussi grâce à toi. Vous pouvez m'appeler Anne-Marie. Ok, Butch, merci. Mais seulement si vous aimez vous faire écorcher et qu'un immortel courroucé saute merci à la beaucoup. Corde avec vos entrailles. Sinon, appelez-moi chez Ogorath, prince des draps de la folie. Enchanté. Bah, qu'est-ce que je kiffe, ce personnage. C'est là toute la question, n'est-ce pas? Rends mec, arrête de parler, car très parler, honnêtement, mais... de combien de temps de repos un dédra dément peut-il avoir besoin? C'est dur de vous parler de voilà vous écouter ce que en je même vais temps. Faire. Je vais partir. Oui, j'en ai fini. Les vacances sont terminées. Il ça est va, temps son, de revenir au petit train-train quotidien. À une condition. Vous devez d'abord trouver la sortie. Bonne chance. Vraiment? Il y a un piège, parfois. Voulez-vous jeter un œil alentour? Ce ne sont pas les jardins botaniques de solitude, n'est-ce pas?
n'est-ce pas? Savez-vous seulement où vous vous trouvez vraiment? Bienvenue. Oui, bon. Dans l'esprit plus verdoyant qu'il n'y paraît, de l'empereur Pelagius III. C'est exact. Vous êtes dans la tête d'un monarque fou furieux, mort depuis longtemps. Ah, son, ok, d'accord. Je sais ce que vous pensez. Puis-je toujours compter sur mes armes, mes sorts, ma furtivité et toutes gaffe, par ces contre, absurdités? Mais bien sûr, bien sûr. À ce que tu dis. Vous pourriez au niveau aussi du utiliser. Voilà. Le Vabayak, hein, hein. Vous n'imaginiez pas ça, hein? Va faire prévenir, tu vois. Le Wabayak. Voilà. Mais du coup, je ne peux pas t'aider. Weiss. Heureusement que, bon, je savais plus ou moins, tu vois. What? Donc ouais, je disais, à l'époque, Trackmania, bon, je me faisais pas trop d'illusions parce que je savais pertinemment que c'était la folie Trackmania. On n'a pas de carte. Okay. Oh, c'est une triste histoire. Pelagius haïssait et craignait un grand nombre de choses. Les assassins, les chiens sauvages, les morts vivants, le pain de seigle noir. Mais sa plus grande aversion a toujours été dirigée vers lui-même. Les attaques qu'il s'inflige se voient très bien ici. Elles sont toujours portées contre les aspects les plus fragiles de son être. Le dégoût que Pelagius éprouve pour lui-même augmente. Ah, c'est la confiance, colère. Ok, d'accord, lui, c'est tout. Ah, la colère frappe la confiance. Ah, les gars, je vous jouerai de mes mains. Tu vas te calmer, toi. Ça va parler. Ok, c'est n'importe quoi, on est dans l'esprit d'un fou. Donc, oui. Je disais à l'époque Trackmania, je savais pertinemment qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient et qui revenaient à cause de Trackmania. Je savais très bien que même si on était 20 ou 30 tous les soirs, passé la période Trackmania, dès que j'allais streamer autre chose, ça allait changer. Et ça a changé, évidemment. Mais je savais. Donc bon, ça va, tu vois, je suis pas trop... pas foin. Mais là, du coup, il me surprend. Ah, c'est pas grave, Valou. Enfin, c'est grave pour toi, mais c'est pas grave pour... Désolé, du coup. Mais c'est pas grave, c'est quand même cool à te passer. Bonne soirée à toi, bonne fin de soirée, bonne nuit, tout ça. Donc on ce qui me surprend en ce moment, c'est que depuis quelques semaines, ou peut-être que c'en est on gros, est souvent en stream. Peut-être que vous pourriez d'abord et on revient souvent, me déballer enfin, les gens souvent. L'affaire. Ça va être très très cool. L'objectif ici est clair, imbécile. Utilisez votre Vabayak pour vaincre l'ennemi pendant qu'il se sert du sien pour venir à bout de vous. Alors. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ouais, c'est vrai, les axes, je me rappelle. Mais c'est cool parce que y a des gens qui vont, qui viennent, etc. Mais. Pour ça. Enfin, ça me surprend, je trouve ça très cool. Bon. Que les gens viennent alors qu'il n'y a pas forcément de jeu récurrent, tu vois. Je suis pas spécialisé dans PUBG, LOL ou. Voilà, c'est plutôt cool. Un peu de tout, hein. What the. Votre créature n'a pas l'air plus loyale qu'avant. Je pense que vous avez perdu. D'accord. Ok, tout va bien. Tout va bien. Ok, on va sortir de là. Trop bizarre. Du coup, ouais, c'est cool, je suis content. Tout se passe bien. Et que ce soit le mardi ou le vendredi, il y a toujours des gens. Peu importe si c'est un jeu de caisse, Skyrim ou... Voilà. Ah, bon choix. Enfin, bon pour moi. Le fait que tout le monde essaye de vous attraper est très divertissant, je trouve. Ce sera peut-être moins drôle pour vous. Vous savez, la mère de Pelagius était, eh bien, disons, unique. Quoique, je suppose que dans l'absolu, elle était assez modérée pour une septime. Cette femme usait de la peur comme d'un couperet. Ou brandissait-elle un véritable couperet pour effrayer les gens? Je ne l'ai jamais su. Oh. What the fuck? Elle a bien éduqué son fils. Pelagius a appris très tôt que le danger pouvait venir de partout, n'importe quand, et de n'importe qui. Tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver quelque chose pour réveiller notre pauvre Pelagius. Ces terreurs sont faciles à repousser, mais elles sont
tenace. Jeudi soir. C'est quoi ? Eh, je sais même pas ce que... Quoi, c'est à propos de mon stream ? Le mec sait même pas ce qu'il stream jeudi, tu vois. C'est dingue, hein. Je vais vérifier. Ah, parce qu'il y a Forza ? Eh, jeudi, c'est full bagnole, hein. Yep, Flo Bubu, je vois la manette, mon pauvre. Oh, ça va, t'inquiète. Je suis un consoleux de base, donc. Ça va. Je gère. Et je m'adapte aussi très bien au clavier souris, donc. Parce que de base, je l'avais sur 3.6. Du coup, je le continue sur 3.6. Mais je pense me le prendre sur PC pour les mods. Visuellement, il est dingue, quoi. Fin du backbone et stream Drive Club Forza. Ouais. Et Raja Soundbound aussi. On est 10, putain, les gars, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Avec toi, toi. Ok, d'accord. Je vais te réveiller, oui. Et toi? Avec toi, je te dis. Et toi? Regarde ça. What? Ok, lui. Ok. Et what? Cette quête est tellement pétée, comme à chaque fois avec Chevora, de toute façon. Non. Bon, est-ce que j'ai fait le tour? Non, il me reste un coin à aller voir. Du coup, ouais, ce qu'il y a même sur, sur PC, je prendrais juste pour le délire des mods, quoi. Abusé. On a été par là, j'ai été par là. Il y a combien de flèches? Une. Voilà, j'ai été par là. Ouais, j'étais par là, d'accord. On va checker. Non, j'ai pas envie d'attendre. D'accord, mais. D'accord, mais attends. Non, mais l'endurance ici, quoi, c'est ouf. J'ai envie de tester un truc. Oh, il s'en fout. Ça, ça ne vous ennuie pas? Je fais le bâtonnet de poisson. C'est un état d'esprit très instable. Bâtonnet de poisson. Là-bas. Ouais, c'est vrai que je dis, ouais, c'est full bagnole du coup. On va comprendre. On va comprendre. On va faire les choses un par un. Ok. Donc, ça, ça a pas fonctionné, ça a pas fonctionné. Ah. 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 Voilà. On a compris. C'est ouf, on est monté à 7. J'ai l'impression que plus on est de viewers et plus il y a de viewers qui se ramènent. Un peu comme les abonnés YouTube, c'est plus t'as t'abonné et plus t'en prends. Ça, c'est bizarre. Hein. Que j'ai de la merde, mais. Du coup, on va par là ou on va par là? En tout cas, c'est cool. Ça fait plaisir. Sur le Discord aussi, on est nombreux. Et putain, sur YouTube, j'ai arrêté de perdre des abonnés à chaque fois que je mettais des vidéos. Et maintenant, je prends. C'est cool. Vous allez mourir. Bon. Non, ah si. Vous allez mourir, qu'est-ce que c'était? Vous n'auriez voilà. Pas qu'il était. Alors. On fait fort, qu'est-ce qu'il y a? Vous ne pouvez pas me battre. C'est le passé, vous là. Allez mourir. Dégagez. Dégagez, laissez-le. C'est bon. Nickel, ça c'est fait. En fait, c'est. Voilà, c'est simple.
Faut juste comprendre comment le réveiller. Ok dans... Ok dans le rocher. On est bien là, là on est bien. Avec toi. Ah. Voilà. Bon. Ça. Ok. Regardez ça. Ok. On peut jouer au sauveur. D'accord. Ok, d'accord, c'est bon, on a compris le truc. C'est bon encore ? Ah ! Bon, quoi de neuf ? What ? Qu'est-ce que c'est ? Ah non, pas ces merdes là, putain. Ah, elles font tellement mal. Ok, on a trop d'actifs. C'est bon, on est bien là. On est bien. Et de le rassurer. Ouf, ça a dans sa psychologie pour le. Qui est là ? Ah, salut. Oui, oui. Vous rêvez. Malheureusement pour vous, Pelagius souffre de terreurs nocturnes depuis son plus jeune âge. Oh, c'est bon. Ah, je croyais que vous n'arriveriez jamais à le comprendre. J'avoue, j'ai un peu maintenant que la menace est écartée, Pelagius croit, à tort, qu'il est en sécurité, ce qui veut dire que vous l'avez aidé, en quelque sorte, et que nous sommes d'autant plus près de chez nous. Ma foi, il y a de quoi se réjouir. On peut sortir avec de son... le réveil de Pelagius. Vous avez fait un grand pas en avant. Nous serons tous deux bientôt chez nous. Très bien joué. Pelagius est enfin capable de s'aimer. Et aussi, de continuer à détester tous les autres. Faut que je parle d'un truc. Ça va faire un an. Stabiliser est un terme si subjectif. Du mois prochain. Je crois que soigner est plus approprié, non? Comme on soigne une rougeur ou une blessure par flèche à la tête. J'ai essayé de le voir, je crois que je vais mais peu importe. J'ai essayé de le voir, mais peut-être parce que... J'ai plus soir, hein, pour moi. Mais peut-être que... J'ai fait une boulette. J'ai pas insisté, parce que j'étais en dialogue, peut-être. On va essayer. Là, j'appuie sur A, là. Je vais faire ça. Non, tu vois. Il ne s'ouvre point. Et comme les gens, tu sais, je peux pas leur parler non plus. Je pense que c'est juste comme ça, quoi. Voilà, Weiss. Je vais quand même vérifier. Merci de m'avoir fait remarquer. Peut-être que je l'avais mal fait. Donc. C'est cool. Maître, vous m'avez repris. Ça veut dire qu'on rentre à la maison. Oh putain. Oh, quelle joie. Je suis impatient de... Ça ne vous ennuie pas? Je fais le bâtonnet de poisson. Oui, 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 pas la peine d'en rajouter. Passez devant, voulez-vous? Allez, cassez-vous. Vous, petite créature servile, n'hésitez pas à garder le Vabayak comme symbole de mon... Oh, prenez-le, c'est tout. Prenez soin de vous. Et si super, j'ai un Vabayak. Vous retrouvez à la nouvelle chéotte, passez me voir. Nous mangerons une tarte aux fraises ensemble. Pourquoi on mange une tarte aux pommes? Enfin! On sort d'ici. Donc ouais, vu que ça va faire un an, bon, le 23 mai, hein, j'ai été voir ma VOD, ma première VOD a été du 25 ou du 26, mon premier stream était le 23 sans traquement. Donc, je sais que j'étais pas très régulier à l'époque, plus régulier que depuis octobre on va dire, mais... mais j'adore faire ça en fait dans Skyrim, j'adore monter sur les tables et foutre le bordel. Du coup, peut-être que je vais faire un truc sympa pour le... Non, je sais pas, je suis en train de cogiter. Tout le monde fait des streams de 24 heures à un moment ou à un autre, ça serait marrant de faire ça. Là je pourrais faire plein de jeux différents. Je sais pas, faut voir, on aura le temps d'en reparler. J'en parlerai sur Discord et tout. On est un peu plus d'un mois. Mais ça commence à germer l'idée de faire un stream 24 heures. Il y aura des pauses forcément. Hein.
Une fois qu'on sera sûr de faire ça, on verra quel jour vous arrange le plus. Et on verra quel jeu. Il y aura sûrement plein de jeux différents, beaucoup de jeux de caisse, un Zelda. Et on verra, il y aura sûrement des pauses. Soit des pauses de toutes les 3 heures. Ah, Revalou, c'est cool. Donc ouais, je pense faire un truc sur 24 heures. Avec des pauses de genre un quart d'heure toutes les 3 heures, 5 minutes entre les jeux, un quart d'heure entre chaque session de jeu, parce que sinon ça va être compliqué. Je fais juste un peu de ménage. Hey Late, ça va et toi? Alors désolé si je prends pas ton... Prononce pas ton pseudo en entier, j'ai peur de le l'écorcher. Late j'arrive pas. Ah la team MJL. Putain, je suis un abruti, c'est ça? Ah si, c'est ça. La team MJL. Bon, ça c'est fait. C'est le mec qui fait quoi, Late? Je dirais que j'ai vu Late, je putain, c'est l'anglais. Alors, que va-t-on faire? Non. Non. Ça marche, Butch, merci de passer, dors bien. Faut qu'on voie un truc derrière Butch. Et dors bien. J'ai envie de t'insulter, mais je peux pas. Et les moustiques, dégâts, là, je commence pas à m'agresser, là. Ah bah, c'est pour ça qu'il faut jamais rien mettre sur... sur son collègue. Ok, Valou, bonne soirée. Désolé pour toi. Voilà, ouais, il faut jamais... Fais confiance au coffre. Mais tu sais, moi, je l'ai tout mis dans un coffre. Sauf que je sais pas pourquoi. J'ai le contenu, tu sais, pour qu'on sorte des maisons. Et le contenu a disparu de ma console. Et du coup, bah, le coffre a disparu avec. Voilà, c'était cool. Ça, c'est très agréable. On récupérait l'objet grenade de Gourze, gros. Hein. Ura, gros chub. C'est où, ça? Je disais quoi? Oui, non, c'est bon, la team, d'accord, ça, c'est bien, je l'ai bien prononcé. Butcher, il est parti. Et... Ouais, pour les 24 ans, du coup, je pense faire ça bien, parce que je vais pas non plus muter ma santé. Hein. Si je fais effectivement ça... Absolument pas. Non. Putain, mais pourquoi ils m'ont changé de tenue, en plus? C'est dingue, mon scanner amène des gens. Hein. T'as un tas de trucs qui sert à rien. Ça. Ça. J'avais d'autres. Ça, non. Ah, joli. Oui, mon armure, mon pastron. J'en ai pas. Ok, Drizox, merci d'être passé, c'était cool. Bon courage pour tes cours. Passe une bonne nuit. Voilà. Pourquoi j'ai cru voir une ombre? Ça me fait flipper. J'ai cru voir une ombre. Ici, qui passait. Peut-être qu'il y avait un truc dans le ciel. Plus pour ces conneries. Ah là là. Donc. Pour aller où? Ah. Et. Ah, c'est cool. Même si ça s'est pas encore affiché, mais. J'anticipe, j'attends. Normalement, j'ai tout qui fonctionne, hein. Les alertes et tout le bordel. Par contre, je comprends pas, c'est où est mon stream label là? Utile. Il est là, c'est bon. Il est là, c'est bon. Il y a un décalage de ouf entre le follow et le. Entre l'annonce, l'alerte. Oh, l'alerte là. L'alerte. Où est mon truc d'alerte? Bon, il est là, ça va.
Décale un peu sur la droite. Voilà. Donc. Ah, c'était ici. Incroyable, le nombre de gens qui viennent sur les rails en ce moment. Merci la team MJL d'être venu du futur, c'est cool. Du coup, on n'a pas le son, c'est dommage. Parce que il faut le son du bureau pour ça. Du coup, on va quand même lui mettre le son. Attends. Voilà, on n'a pas de raison. On n'a pas de son. Pour son follow. Voilà. Nickel. Merci beaucoup. Merci à toi. Du coup, c'est 115e follow. Eh, mais ça fonctionne trop bien. Content. Je suis trop content. Et on est en train de gravir les échelons du Twitch game. Et j'ai pris la mauvaise porte. Non, c'est bon. C'est cool. Les soirées de stream en ce moment sont très très bien remplies. Et putain, ça passe vite, hein. Ronde, pourquoi ton follow n'apparaît pas? L'école de guérison est un choix tout à fait respectable. Ton follow devrait apparaître en haut à gauche. Bastille. Bon, désolé, hein, ton follow devrait apparaître, mais il apparaîtra. Ah, c'est bon, il apparaît. Donc ça se met à jour. Allez, la team MJL. Désormais le dernier follow. Faut que je mette aussi un compteur pour les bits là. Le mec pas suspect du tout quoi. Pourriez-vous aider Jezarko? Oui sûrement. Vous venez d'arriver dans la région. Ah, de marcher chelou comme ça. Avez-vous déjà maîtrisé le niveau expert des sorts de destruction? Non. Vraiment? Comme c'est décevant. Oh. Jezarko espérait qu'il existerait quelqu'un capable de suivre le rythme de ses exploits. Oui. Jezarko voit que Tolfdir vous apprécie. Vous devez être un virtuose de la magie. Pas vraiment. Ouais. Jezarko travaille dur, mais il ne peut pas tout faire seul. Pouvez-vous m'aider? Bien sûr. Jezarko travaille dur pour apprendre de nouveaux sortilèges, pour essayer de nouvelles choses. Cela fera de Jezarko un mage d'exception. Hein? Mais Jezarko travaille tellement dur qu'il n'a pas le temps d'essayer ses nouveaux sorts. Donc il veut essayer sur moi. Si vous voulez bien m'aider à les expérimenter, cela facilitera mon apprentissage. Jezarko vous donnera des parchemins. Pas fan, mais bon. Vous les utiliserez et vous lui direz ce qui s'est produit. C'est un bon plan, non? Prévenez Jezarko quand vous voulez commencer. Bon allez, je tente. Impossible de résister, hein? Voyons. On prend un truc sur la gueule. Celui-là, je pense. Jezarko s'en est servi pour créer une excellente aura enflammée améliorée. Elle est particulièrement efficace contre les morts vivants. Ah. Elle devrait les rôtir en un rien de temps. Jezarko vous donne une brassée de parchemins. Vous les essayez et vous revenez me dire s'ils ont fonctionné. D'accord. Bah oui, ok. Les mages de Cyrodiil sont obsédés par la politique. Le Synode et l'Académie des Murmures sont trop occupés à garder des secrets pour prendre la peine d'enseigner quoi que ce soit aux élèves. Bord de Ciel n'était pas le premier choix de Jezarko. Quoi, en tout cas. Mais fort diverses des. C'est bien vige. Hein, c'est par où? J'ai beaucoup de sujets de préoccupation. Voilà. Tu rêves ou j'arrête pas de changer de salle pour rien? J'ai encore amassé une quête, putain. Il y a 12 millions de quêtes. Il y a un truc que je comprends pas. Même porte? Non, c'est pas la même porte. J'arrive pas à comprendre. Chaque fois ici, je bug. Je me dis, attends, c'est la même porte ou comment ça se passe? Ah non, ça se redonne sur un autre escalier. Ok, d'accord, je suis... Alors avec ton fromage toi. Oui. Je ne veux pas vous retrouver dans l'Arcanéum. Se mêle des ordres dans mon Arcanéum et je vous fais déchiqueter par mes atronacs en colère. Ça va bien se passer. Bien. Cela dit, avez-vous besoin d'aide? Non, évidemment.
Dans le cas contraire, la plupart de ces livres auraient été brûlés ou jetés dans l'acide avant la troisième ère. Il a fallu des centaines d'années pour rassembler cette collection. En fait, ils existent. Avez-vous déjà entendu parler de Chalidor ? Non. C'était un mage extrêmement puissant pendant l'ère première. Rares sont ceux qui ont surpassé sa maîtrise. Il s'est enfermé lui-même dans le labyrinthe et s'est voué corps et âme à l'étude et aux recherches. Il a écrit bien plus que vous ne pourriez l'imaginer. Depuis ce temps, ses écrits ont été dispersés aux quatre coins de bord de ciel. Pas beaucoup. Ils n'ont aucune valeur pour qui ne saurait les traduire. Je suis une des rares personnes à en être capable. D'après la rumeur, certains de ces écrits seraient réapparus. Si vous pouviez mettre la main dessus, il nous serait fort utile. Ouais. Je sais ce que vous voulez. Les nouvelles vont vite par ici. Vous avez mis le doigt sur un mystère qui vous dépasse. Si vous avez besoin d'un livre, dites-le-moi. Sinon, ça bardera pour vous. Pas de caméra. Là, je suis perdu. Là. Et même si c'est vous qui l'avez écrit, si vous voulez un livre ici, il faut passer par moi. Eh ben oui. Les nouveaux livres sont... Je sais ce que vous voulez. Les nouvelles vont vite par ici. Oui. Vous avez mis le doigt sur un mystère qui vous dépasse. Ah. Eh bien, c'est pas la peine de demander. Je n'ai rien pour vous. Plus maintenant, en tout cas. Non, je vous l'ai déjà dit. Orthorn a volé de nombreux livres quand il s'est enfui au donjon de Clairland pour rejoindre ses évocateurs. Un genre de gage de paix. Je pense qu'un de ces livres contenait des informations intéressantes. Si vous les voulez, il vous faut aller voir Orthorn. D'accord. Il est ouf. Il était apprenti à l'académie. Pas très doué, mais il s'est laissé entraîner par un groupe de mages. Qui il est, mais où il est ? Quand ils sont partis, il les a suivis. Il a volé des provisions et des livres à l'académie, probablement pour rentrer dans leur bonne grâce. À la prochaine fois. Ouais, salut. On va se chercher ce Orthorn. Vous étiez à Sartal, ça ? On m'a dit qu'on y avait découvert quelque chose. Vous là, j'ai des questions à vous poser. Mais je suis parfaitement... Il m'énerve, on dirait... N'insultez pas mon intelligence, voulez-vous ? Oui, ça peut. Tolfdir est toujours là-bas, n'est-ce pas ? J'espère qu'il me fera un rapport détaillé quand il rentrera. C'est mon travail de savoir ce genre de choses. Mon rôle de conseiller de l'archimage est plus facile si je sais tout ce qui se passe ici. Merci pour votre aide. Vous pouvez partir. Le père de la tête à claque. Ouais, je suis pas calé en Harry Potter, désolé. Pas par là, putain. Au secours ! À l'aide ! Bon, 45, on va aller voir sur Orthorn. Peut-être terminer la quête, peut-être pas. On arrêtera évidemment. Tac. Non mais. Tu montes, tu descends, c'est. Et là, je vais à Paris ou quoi ? C'est Maritaine, je sais plus. Alors, histoire d'escalier, je comprends rien. Je ne comprends rien du tout. Bien, parce que là, c'est du tout. On passe de 10 personnes à... personne. Silence. Arrête de... Attends, il est pas loin en plus. Ah ouais, putain, il est là. Ah, c'est la merde. Je passe par là. Je peux descendre. Allez, on va se TP là-bas. On va essayer. On va essayer de faire un truc chelou. Bon, je sais qu'on meurt pas facilement. Bien se passer.
dommage que j'ai pas le son des alertes. Faut que je me penche là-dessus. Attends. C'est mon cheval. Je ne le prenne pas. Ah, c'est parti. Alors, c'est par là. On peut pas. Et on peut contourner ici. On peut essayer, parce qu'on a dit si on essaye de grimper par là, on, je sens déjà la connerie. Ouais, à mon avis. J'aime toujours autant sauter que ce genre de. Waouh. Pourquoi il y a du feu ici? Ah non, mais je vois rien de faire, t'inquiète. J'ai envie de. Détail avec des géants. Allez! Voilà. Je vais surtout faire bugger. Putain, j'ai pas sauvegardé en plus. Le mec il s'entête à vouloir sauter ici alors qu'il peut passer. Peut-être qu'on va pouvoir passer. Je sais que ça bug à mort, mais c'est drôle. C'est ça derrière scroll, ça qui est très drôle. On va se regarder quand même. Il y a un logo qui me plaît pas trop en haut. On peut pas le voir évidemment grâce à l'overlay, du coup. Grâce à l'overlay, parce que ça cache les petits icônes qui sont en haut juste cachés derrière Gamaliel. Ça permet de laisser du suspense pour savoir. Merde. Voilà. Voilà. Là, il y a un gros logo. What? Au feu! À l'aide! Arc. J'ai plus mon arc, salut! Oh, mon arc de Rossignol, il est pas. Je dois avoir un truc qui s'est posé à côté de moi, je suis pas bien. Pourquoi l'arc de Rossignol, il est pas là? C'est bon, on se calme. Pour équiper. Ça va aller, on panique pas. Il fait mal quand même. Non, je lui fais rien du tout. Je lui fais rien, je lui crevais d'ouf. Il est où? Je lui fais rien, je lui fais que dalle quoi. Crevé. Elle meurt. Bon. On va mieux se préparer, je pense. On va le faire. On verra bien. Là, j'étais surpris, c'est bon. C'est fou mon cheval là-dedans. Ah, trop mal le dragon, c'est beau. Alors, objet, arme, flèche de verre, arc de rossignol direct. Descends, s'il te plaît. Et où? Là, je me fais cramer le cul. Pas mal, quel talent! On va l'avoir. Bon, on va l'avoir, pas tout de suite quoi. Pas tout de suite. En fait, il me faut ça, et ça, et ça. Ah, le salaud. Et mon arc est pas en favori, bon sang. Ah, maintenant il est en favori.
Faire défoncer quoi. Et où? Ah. Ah attends. La masse d'un côté. Une masse. Putain, mais pourquoi j'ai pas mes deux armes là? Putain, ça a foutu le bordel d'être en... Oula, 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 oula. Doucement, doucement, doucement. Il déconne pas, hein. Il déconne pas, le coco. Ta-ta-ta-la. Il y a de la musique, là? Il y a du son, là? Avec le son derrière, avec la musique de ouf. Bug à mort ou comment ça se passe? Ah, je le hit pas. Là je le hit, là il me hit. Ah c'est bon, c'est bon. Allez! Allez, encore une! Ouais. Ah. Ben voilà. Ah putain, c'est vrai qu'ils ont plein de trucs. Oh mais non. C'est vrai que ça pèse un poids de dingue. Ouais, 30 kilos. Bon, j'ai pas une potion qui me permette d'augmenter le poids porté. Voiture en un, ponction, restaurer. Santé, 50 points de santé, on s'en fout. La vigueur. Pas la vigueur, c'est pas la vigueur. Non, ce n'est pas ça. Bon, on pourrait prendre le risque. Ah, mais dans mon cheval, on peut mettre des trucs. Mon cheval. Oui, mon fucking cheval. Oh, mon cheval, bordel. C'est pas son cadavre, donc il est pas mort. Eh, salut! Alors non! What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh les gars, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? You. Il a l'air hyper vénère, lui. Eh, mon cheval, non! Mais pas mon cheval, j'en ai besoin! Oh ouais, non, vas-y, on se tire. Oh, il est trop chaud, lui, Crozy, c'est quoi cette merde? On se tire, vite! Mon cheval. Mon cheval, bordel. Mon cheval. Putain, j'ai retrouvé mon cheval, je l'ai perdu. C'est la merde! Y'a un truc chelou qui me court, c'est incroyable. J'ai plus de vigueur, je peux plus courir. Aïe, ça pique. Tant pis pour les os dragons et tout tactique.
C'est un truc de dingue, hein. On a grave, bordel. Pas cette épée, là. Du coup, je vais pas là où je devais aller. Que je peux me TP. Tant pis. Hein. Tant pis, j'ai envie de me TP chez moi au chaud. Tant pis pour le dragon. Voilà. On va. On revient chez nous tranquillement. Tant pis pour le dragon. Tranquillement. Avant la fin de ce stream, comme ça. On aura. Bon, toi, un dragon. Bon, putain, c'est chaud! Tellement chaud quoi. Plein de fois. Des trucs en même temps. Genre. Bref. Bon, on est de retour chez nous du coup. On va tout mettre dans le coffre. Je le ferai après du coup. 21. Déjà 21 je crois. Bref, sur ce... C'était cool, c'est une bonne soirée en tout cas. Merci à tous ceux qui sont passés, tous ceux qui sont restés, on a encore passé une bonne soirée. Merci à tous les follow, merci beaucoup, merci à Varek et son petit don. Merci à ceux qui s'abonnent sur YouTube, merci à ceux qui rejoignent le Discord. Merci à tout le monde, c'est de plus en plus cool, vraiment, ça fait vraiment plaisir, vraiment. Et du coup, si tu regardes ça sur YouTube, n'hésite pas à nous rejoindre sur Discord, le lien Twitch, Instagram aussi. N'hésite pas à me suivre partout, Twitter, quand un utilisateur de Twitter. Tout est dans la description de la vidéo, n'oublie pas. Merci encore tout le monde, merci beaucoup. Et si tu regardes cette vidéo, c'est une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit. Selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et n'oublie pas, comme je n'oublie pas. Plus.